touche en direct. Et là. Yes, carpe. C'est une vie. Bon, là, je suis tout seul. Voilà comment bien commencer la journée. Une big carpe. Ouais, je vous rappelle dès qu'elle sera sortie. Je viens de pêcher la carpe, donc elle devait faire dans les 12-13 kilos je pense, hein, donc voilà, donc j'ai prise au bouchon au maïs, tant que je montais les cannes, donc du coup en 5 minutes une carpe, c'est vraiment formidable. Alors pour ce plan d'eau, j'ai pêché alors avec une bouillette chez Caperlan et deux maïs et un faux maïs, et là-bas avec des maïs. Bon. Comme vous pouvez le voir, là-bas sur le coup, il y a vraiment beaucoup d'activités. Hein. Donc voilà, moi bon, allez, il n'y a plus qu'à. Voilà, ça fait déjà 3 heures que je pêche et j'ai plus de touche. Donc c'est pour ça que j'ai changé mon plomb. J'ai mis un 70 grammes au lieu de 60 et mes appâts, donc j'ai mis une bouillette Scopex de chez Decathlon avec une pop-up rose à la fraise, donc voilà, avec un petit plomb parce que je me suis rendu compte que ma ligne en fait flottait, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce petit plomb. Allez. Voilà pour la deuxième canne, je vais monter une pop-up. Donc voilà, je vais monter une pop-up parce que vraiment elle s'est vraiment plus morte au maïs, tout ça. J'ai tout essayé. J'ai pas encore essayé la pop-up, donc je vais voir. Si ça mord, bon allez. Une invasion de canards sur mon spot. Donc tout à l'heure, quand j'ai amorcé, hein, ils plongeaient pour aller chercher les maïs, les bouillettes. Bref. Il est 4h et ça veut toujours pas mordre. Alors je viens d'isoler une canne là-bas. Donc juste une canne avec une bouillette chez Caperlan, deux maïs et un faux maïs. Donc voilà, je l'ai mis par là avec un tout petit peu d'amorce pour vraiment que voilà quoi. Si là ça veut pas mordre, peut-être que là-bas ça va mordre. Donc je verrai bien. Bon allez. Voilà pour cette fin de journée. J'ai utilisé le même montage que pour la journée, hein. Sauf que là, la bouillette Caperlan et Caperlan et les grains de maïs, je les ai enrobés de d'amorce. Donc voilà, pour faire une sorte de tapis d'amorce au fond de l'eau quand ça va dissoudre tout ça. Donc voilà, beaucoup de pêcheurs sont partis. Il est 6-7 heures. Et donc voilà, j'ai revu quelques sauts par là-bas, là, au fond. Donc voilà, je vais essayer d'y mettre et de pêcher une dernière carpe. Voilà, fin de la journée, je suis presque tout seul, à part un pêcheur là-bas. Donc conclusion de la journée, j'ai fait une carpe et une décroche parce que la carpe essayait d'aller dans un bois mort et que... voilà, j'ai tiré trop fort avec l'hameçon ouvert. Donc voilà. Une assez grosse carpe quand même, hein. Plus grosse que la première. Très très déçu, mais bon. Voilà, j'essaierai de revenir par là une fois. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye de faire un 24 heures ici. Donc voilà, ça pourrait être cool. Allez, ciao tout le monde. Jingle bells, jingle bells.
Thank you.